Après une scolarité en pension au Collège des Oratoriens de Juilly, Seine-et-Marne, Augustin Legrand obtient son bac au rattrapage et mène des études de droit, jusqu'à avoir une maîtrise de droit fiscal de l'université Panthéon-Assas, tout en multipliant les voyages à l'étranger. Il s'inscrit ensuite au cours Florent pour devenir acteur. Il vit à Paris où il rencontre des SDF. L'idée de faire un documentaire sur leur vie l'intéresse. Le 23 octobre 2006, avec son beau-frère Ronan Dénessé, marié depuis septembre 2006 à sa sœur Amélie Legrand et Pascal Oumar Louf, Augustin Legrand quitte son domicile avec pour objectif de faire la révolution avec les SDF et casser les idées reçues sur les sans-abri. En décembre 2006, son association incite les bien logés à faire l'expérience de la vie précaire en installant une centaine de tentes au bord du canal Saint-Martin à Paris. Il a laissé en janvier la présidence de l'association à son frère Jean-Baptiste. Le 26 septembre 2007, il refuse le poste de chargé de mission pour la mise en œuvre du plan Grand Froid que lui offre Christine Boutin, ministre du Logement. C'est avec Jacques Deroux que, le 15 décembre 2007, il organise la nouvelle tentative d'installation des tentes sur les bords de la Seine qui échoue rapidement. Le 21 février 2008, Augustin Legrand, en tant que porte-parole des enfants de Don Quichotte, permet à 28 associations, parmi lesquelles le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, l'Association Emmaüs, la Fondation Armée du Salut et ATD Quart Monde, de s'unir pour une nuit solidaire pour le logement, place de la République à Paris. Ce rassemblement, qui avait pour objectif de souligner la crise du logement en France, a réuni plus de 15 000 personnes selon les organisateurs et moins de 1800 selon les forces de police. Cette opération était parrainée par l'acteur et cinéaste Mathieu Kassovitz. En outre, plusieurs personnalités du cinéma, telles que le comédien Jean Rochefort et le réalisateur et producteur Costa Gavras, étaient présentes. Bref, nécessaire. Il est présent sur la liste d'Europe Écologie pour les élections régionales de 2010 en Île-de-France et est élu à Paris sur la liste d'Union de la gauche menée par Jean-Paul Huchon. En 2011, il soutient la candidature de Nicolas Hulot pendant la primaire écologiste, puis celle d'Eva Joly à la présidentielle lorsque celle-ci est désignée candidate. En septembre 2014, il ouvre une cantine dans le 10e arrondissement de Paris, basée sur des produits de l'agriculture biologique. En 2016, il devient l'homme le plus intéressant de la Terre dans les spots de publicité américaine de la marque de bière Dos Equis, remplaçant l'acteur Jonathan Goldsmith.